Dr. Rasha, please proceed. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'aujourd'hui de vous présenter deux néphrologues très éminents du nord de l'Afrique. On va parler aujourd'hui sur la DP, en nord de l'Afrique. C'est un sujet qui est très important parce que nous savons tous que les pays du nord d'Afrique sont très forts en DP. Ils ont commencé des programmes depuis très longtemps. Et on voulait discuter ça en détail avec le DP comité de la FRAN. Aujourd'hui, nous avons deux néphrologues, un du Maroc et une de la Tunisie. Nous avons prof Baheldi Abdelali, il est du Maroc. Il est un prof de néphrologie à l'hôpital militaire d'instruction universitaire et de l'université de Mohammed V de la Rabat. Il est aussi gérant de l'unité de la DP à l'hôpital militaire et coordinateur du DP marocain. C'est un programme qui est récent maintenant au Maroc. C'est un programme assez fort qu'ils ont commencé pour essayer aussi d'encourager la DP au Maroc. Nous avons aussi aujourd'hui prof Yousra Guedi. C'est une professeure que j'ai rencontrée récemment quand on a fait notre workshop de la DP de la FRAN à Sousse. Elle est très, très intéressée à la DP. Elle a un programme assez fort dans son université. C'est le professeur de néphrologie de Ibn al-Jazirdi, Sous Faculté of Medicine. Elle est aussi Head of the Peritoneal Dialysis Unit in the Nephrology Department of the Sahloul University Hospital et aussi Coordinator of the Peritoneal Dialysis Working Group of the SFNDT. Welcome both of you. Welcome in the Afran webinar. Dr. Yusra, Dr. Thank Bahari, you. welcome to both of Thank you. you. Thank you, Rasha. Thank you. Really, very honored to be with you this afternoon to discuss about PD costs and our minimization Merci, strategy. Thank you. Achille. Aujourd'hui, on va parler en français. Enfin, ce webinaire-là devrait être en français parce qu'on veut encourager que les néphrologues francophones de l'Afrique enfin, participent avec nous. Je suis désolée s'il y a la voix de mon chien. Est-ce que vous l'entendez ou pas? Enfin, il est assez actif, Pour je le suis moment, désolée. non. Mais ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est qu'on voudrait bien sûr commencer par les présentations. Et ensuite, après qu'on finisse, Inch'Allah, les deux présentations, on aura les discussions, n'importe quoi. Enfin, si vous avez des questions, on pourra les envoyer et on pourra avoir discussion après finir, Inch'Allah. Je vais commencer avec Dr. Bahadi, qui va parler aujourd'hui d'un sujet très important, parce que notre problème principal en DP, c'est, à la fin, c'est le coût. On a ce problème-là en Afrique. Toujours, on dit que la DP, c'est plus cher que la HD en Afrique. Et il a réussi à faire une étude au Maroc où il a fait une comparaison des coûts de la DP et de la HD, et j'espère que les résultats seront en faveur de la DP. Docteur Bahadi, je vous en prie. Merci beaucoup, Racha. Merci infiniment pour l'invitation. Un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et avec professeur Yusra. Un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran. C'est bon? Je pense que oui. Oui, c'est bon. Donc, c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui nous paraît tous intéressant, c'est qui est le coût de la dialyse péritonéale par rapport à l'hémodialyse, à l'instar d'une étude que nous avons réalisée au service de l'hôpital militaire d'instruction Mohammed V. Sous la direction du professeur Bajdris, le chef de service que professeur Yousra connaît certainement. C'est un plaisir de vous présenter cette étude. Mais d'abord, je me permets de vous rappeler, comme vous savez tous, que le problème de maladie rénale chronique est un souci majeur de santé publique au monde, en Afrique, mais aussi au Maroc. Et selon une étude publiée en 2016, l'étude Marimar réalisée au Maroc, la prévalence de la maladie rénale chronique chez nous au Maroc est de 5,1% de toute la population. Ajustée à la population marocaine,
dont 1,6% sont déjà au stade d'insuffisance rénale chronique. Ça veut dire que on a au Maroc plus de 2 millions de patients qui sont atteints de maladies rénales chroniques et dont 560 000, un demi-million de patients qui ont déjà un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 millilitres minute. Une grande partie de ces patients auront un jour besoin d'être traités par épuration extrarénale. Comme vous savez très bien, la transplantation rénale est le traitement de choix pour ces patients. Mais malheureusement, l'activité est très faible et reste très faible malgré les efforts qui sont fournis. Et actuellement, tous les patients sont obligés de rester en dialyse, en particulier en hémodialyse, avec une prévalence de 99% des patients sont en hémodialyse. Actuellement, au Maroc, on a 35 000 patients qui sont en hémodialyse et moins de 300 patients qui sont en dialyse péritonéale. Donc, ceci a un impact économique très considérable, un grand impact, puisque la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale au Maroc, il consomme plus de 30% du budget qui est dédié à la prise en charge de toutes les maladies chroniques. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique de l'Agence nationale d'assurance maladie, plus de 30% du coût, et c'est plus important que le cancer, plus important que l'hypertension et le diabète ensemble. Donc c'est un coût faramineux important que nous ne pouvons pas assurer à long terme. Donc un global cost, donc un coût global de l'insuffisance rénale terminale au Maroc en 2019 de 1,3 milliard de dirhams, ce qui correspond à 130 millions de dollars. Donc c'est très important comme budget. Pourquoi ces dépenses? C'est justement parce que l'insuffisance rénale chronique terminale reste dans notre modèle économique l'une des maladies les plus chères à traiter. Donc c'est plus de 100 000 dirhams par an, c'est plus que le cancer, plus que la plupart de toutes les maladies, et c'est pour ça effectivement que cette pathologie consomme énormément à notre budget national annuel. Donc face à l'augmentation du nombre de patients que nous devons traiter, avec ce coût, il y a une augmentation aussi en besoin de dépenses, mais malheureusement en contrepartie, malgré l'augmentation du produit intérieur brut progressive, il reste très faible et ne permet pas de suivre cette croissance continue de consommation, surtout en ce qui concerne les maladies qui restent très chères. Et si on compare le produit intérieur brut marocain par an en 2019, qui est aux alentours de 32 000 dirhams par an, le coût de l'insuffisance rénale chronique terminale dépasse 3 fois ce PIB. Ce qui définit que l'insuffisance rénale chronique terminale, dans le modèle actuel, elle est très chère à prendre en charge et on ne peut pas suivre cette évolution sur le plan économique. Einstein avait dit que c'est de la folie de faire la même chose tous les jours et s'attendre à des différents résultats. Donc, il faut changer notre stratégie pour avoir des résultats différents, justement en ce qui concerne le coût. Alors, qu'est-ce qu'il est la seconde option qu'on peut réaliser? Donc, c'est déjà prouvé depuis longtemps que le fait de traiter les patients, le fait de les sortir de la prise en charge, de l'hôpital, vers le domicile, vers l'hospitalier, coûte moins cher et assure surtout une meilleure qualité de vie des patients. Donc, on aura tous à gagner sur le plan coût et sur le plan qualité de vie et mortalité en amenant le traitement de la dialyse vers le domicile. À l'hôpital militaire, on croit réellement à ce traitement à domicile des patients en dialyse et c'est une technique qui a démarré depuis 2008 et entre 2008 et mars 2019, le taux de patients pris en charge dans notre unité a progressé avec une prévalence de 6,1% de tous les patients mis en dialyse dans notre unité depuis le début de l'activité. Ceci grâce à l'acharnement de toute l'équipe de la néphrologie, mais surtout, il faut le dire, grâce au soutien inconditionnel continu à mon mentor, le professeur Bechdris, qui soutient cette activité et qui croit en cette activité. Donc, c'est pour ces raisons qu'il est toujours en progression continue, on l'espère. Donc, à travers cette activité,
Nous avons voulu savoir quel est le coût réel de la dialyse péritonéale chez nos patients dans notre cohorte et on voulait rechercher les facteurs qui influençaient le coût. Quels sont les facteurs qui rendaient le traitement en dialyse péritonéale beaucoup plus cher que la moyenne? Donc, c'était ça l'objectif de notre étude. Donc, pour l'inclusion, il s'agit d'une étude rétrospective, bien sûr, et qui a inclus tous les patients mis en dialyse péritonéale depuis plus de 2 mois, entre octobre 2008, date du début de l'activité, et octobre 2021. Les données ont été recueillies à travers les dossiers cliniques en papier des patients, les prescriptions, le registre de prescription de DP, et surtout grâce au logiciel informatique des experts avec lequel on gère les patients et qui nous donnait le détail du coût des bilans, de l'hospitalisation, mais le coût aussi de l'ADP comprenait le coût du consommable, notamment les poches, les bouchons, le changement de prolongateur et les hospitalisations pour péritonite, pour gestion d'une complication. Donc, vraiment, on a essayé d'inclure toutes les dépenses liées à la dialyse péritonéale, qu'elles soient normales ou avec complications. Maintenant, quels sont nos résultats? Donc, l'âge moyen, nous avons inclus 46 patients durant l'étude, la phase d'inclusion, et l'âge moyen était de 44 ans, avec une légère prédominance féminine de 56%, et la néphropathie initiale était en rapport avec un diabète dans le quart des cas. Et la fonction rénale résiduelle, il faut le dire, dans notre cohorte, il y avait quand même une fonction rénale résiduelle qui est acceptable, qui est de 5 millilitres par minute, avec une faible prévalence de comorbidité. Le Charlson Index était à 2 chez le tiers de nos patients, avec 76% des patients qui étaient autonomes. Donc, ça veut dire que vraiment notre cohorte était plus ou moins sélectionnée. Ce sont des patients qui étaient en bon état général, autonome, donc il n'avait pas beaucoup de comorbidité, et ça, en rapport avec la sélection qu'on faisait depuis le début de l'activité, on choisissait de plus en plus les patients qui vont faire la dialyse péritonéale. Concernant la prise en charge en dialyse péritonéale, donc il faut dire que la pose du cathéter a été réalisée dans 40% des cas par celioscopie et par voie percutanée dans 37% des cas. Seulement 3%, 3 patients étaient en dialyse péritonéale automatisée, et ceci lié au fait que nous, on prend surtout les patients adultes. Donc, la dialyse péritonéale automatisée, c'était plus les enfants. La moyenne de poche réalisée par patient par jour était de 3, avec, nous avons eu 21 épisodes de péritonite avec 13 cas de déplacement de cathéter qui ont nécessité une hospitalisation. La survie de la technique en DP était presque une année, 307 jours en médiane, et la dialyse péritonéale a été arrêtée dans 63% des cas durant l'étude, soit à cause d'un décès dans 15% des cas, ou surtout un transfert en hémodialyse dans 41% des cas. Malheureusement, et justement, juste 3 patients qui ont bénéficié d'une transplantation rénale. Concernant les données des coûts, nous avons retrouvé que le coût moyen de prise en charge d'un patient en DP sans complication était de 196 dirhams par patient par jour en moyenne et un coût global en année de 71 773 dirhams par patient. Si on considère surtout que les complications, il faut savoir que le coût des hospitalisations en médiane était de 10 942 dirhams par patient par an. Le coût global de toutes les hospitalisations pour une complication a atteint presque 500 000 dirhams. Donc pour les péritonites, c'était 184 000 dirhams et les autres complications de 120 000 dirhams en globalité. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est le coût de la dialyse péritonéale avec les complications, avec un coût global de 3 800 000 dirhams et un coût moyen par jour de 241 dirhams par patient par jour et de 88 000 dirhams par patient par an. Maintenant, c'est normal, vous allez vous demander, les patients ne sont pas les mêmes. Et là, c'est l'exemple d'une jeune enseignante qu'on suivait
en dialyse péritonéale, et une seule hospitalisation pendant quelques jours avait un coût lié à déplacement de cathéter, des péritonites à répétition, un coût de 22 000 dirhams, l'équivalent du quart de toute la prise en charge annuelle en seulement un seul mois. Donc les patients n'étaient pas les mêmes. C'est pour ça que nous avons recherché les facteurs qui influençaient le coût en dialyse péritonéale. Et dans cette comparaison, nous avons pris en compte tous les facteurs, l'âge, le sexe, le diabète, les comorbidités, l'autonomie, le fait d'avoir une fonction rénale résiduelle ou pas, si la pose du cathéter a été faite par voie percutanée ou par cœlioscopie, le fait d'avoir utilisé de l'échodextrine ou avoir des péritonites. Et là, l'analyse univariée, comme le montre ce graphique, montre que seul le sexe masculin qui augmentait le coût et la présence d'une péritonite. Mais si vous pouvez voir cette diapositive, c'est surtout la comparaison en analyse multivariée qui est plus fiable, donc qui compare tous les facteurs, et là on retrouve que seulement la présence de péritonite qui est considérée comme facteur de risque associé de façon significative à l'augmentation du coût plus de la moyenne. Donc le ratio était de 6. Ça veut dire que quand le patient fait une péritonite, il a 6 fois plus de risques d'avoir un coût en DP plus élevé. Nous avons publié donc récemment et qui compare le coût de l'hémodialyse au coût de la dialyse péritonéale. Et là, on retrouve surtout que le coût global avec complications, il permet un bénéfice de 4 600 78 $ par patient par an et par jour. Donc, on a le coût en DP de 20 $ par jour, alors qu'il est en hémodialyse de 38 $, ce qui fait une différence de 17,7 $. C'est vrai que la comparaison, l'étude n'a pas compris les coûts, surtout indirects, en DP, notamment le transport, les médicaments, les consultations, mais ça reste une comparaison surtout du coût direct entre l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Donc, comme j'avais dit, certainement nous avons des limites, notre étude a des limites, notamment le caractère rétrospectif, le nombre de patients limité, au nombre de 46, le fait d'avoir sélectionné des patients avec des comorbidités faibles et le fait d'avoir inclus seulement les coûts directs de la dialyse péritonéale constituent des vraies limites de notre étude. Cependant, il permet juste une comparaison dans le système public entre la dialyse péritonéale, le coût direct de la dialyse péritonéale et celui direct de l'hémodialyse. Ici, on fait la comparaison, on retrouve un bénéfice de 26% du coût entre l'hémodialyse et la dialyse péritonéale dans un centre public. Et vous pouvez imaginer, si on fait juste un petit calcul et on met juste 25% ou 20% de patients qui sont en hémodialyse, les 35 000, si on met juste 20%, vous pouvez multiplier le bénéfice qui pourrait atteindre les 80 millions de dollars par an. Donc c'est tellement important et ça pourrait permettre la prise en charge d'autres patients. Maintenant, pour discuter nos résultats, c'est toujours difficile de comparer deux choses, deux traitements. Parce que il y a beaucoup de différences entre, et là, je prends l'exemple d'Astérix ou Obélix, l'un est plus fort et l'autre est le plus intelligent. Donc, comment faire cette comparaison entre les deux autres moyens de comparer? La première et la plus faible, certes, que nous avons fait, c'est la cost minimisation. C'est une technique de comparaison de coûts qui compare deux traitements qui ont le même outcome, les mêmes résultats, notamment en termes de mortalité, et c'est le cas de l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Le cost effectiveness, il prend le coût d'une technique par rapport à une autre pour avoir des résultats. Le cost utilité, et ça c'est le plus intéressant, c'est quand on compare le coût et on inclut aussi la qualité de vie. Il est mesuré en quali, Quality of Life Adjusted Life Year. Donc le coût d'avoir une année de vie en bonne qualité. Et c'est ça réellement les vraies études qui pourront comparer deux traitements en matière de qualité de vie.
Comme j'ai dit, la mortalité en dialyse péritonéale et en hémodialyse est presque la même et toutes les études l'ont prouvé. Donc, nous n'avons pas le temps de détailler toutes les études, mais il faut savoir que c'est la même chose. Toutes les études montrent que la mortalité en dialyse péritonéale, elle est la même que en hémodialyse. C'est pour ça que plusieurs pays ont fait des études similaires à ce qu'on a fait, mais avec un nombre plus conséquent de patients, et ils retrouvent tous que la dialyse péritonéale consomme moins que l'hémodialyse. Et cette consommation, elle est liée surtout au coût des poches, au coût du consommable. C'est ça le vrai coût de la dialyse péritonéale. Il est même moins que la transplantation dans la première année. Pourquoi ce coût, il est faible? C'est justement parce que en hémodialyse, on a besoin plus de ressources humaines, plus de dépenses en ce qui concerne les ressources, plus de dépenses en ce qui concerne le matériel. Et là, dans cette étude canadienne, on retrouve presque le double qui est en rapport, du coup, en rapport juste avec les ressources humaines et le matériel. Il y a aussi une chose très importante, c'est le coût de la maintenance des matériaux en hémodialyse, qui sont de l'ordre de 1 600 $ par an par patient en comparaison avec l'hémodialyse. Et là, je vous ai montré la photo d'un centre d'hémodialyse en 3 étages et vous pouvez imaginer combien ça va coûter la prise en charge, les soins, le nombre de personnel par rapport à notre unité de dialyse péritonéale. C'est juste une salle et on peut prendre en charge nos patients facilement. Il y a aussi une autre part, c'est le reste à charge, le out of pocket, qui est très important en hémodialyse. Et ceci est lié à la perte de productivité qui est très importante en hémodialyse par rapport à la dialyse péritonéale, avec un temps perdu aux alentours de 70 heures en hémodialyse par rapport à seulement 4 heures en dialyse péritonéale. Et ce temps, il est très important pour avoir une productivité au sein de la société. Comme j'avais signalé au début, la meilleure manière que nous n'avons pas pu faire, c'est une étude de cost-utilité au cost-effectiveness. Et toutes les études là aussi, ils ont démontré dans presque tous les pays que l'indice Cali, le coût Cali est plus faible en dialyse péritonéale. Le ratio de cost-effectiveness, il tend vers la dialyse péritonéale plus que l'hémodialyse. Et ça, c'est une chose qui est très retrouvée de façon très fréquente dans les études. Si vous me permettez, on a parlé trop de dirhams, de dollars, de coûts, mais il ne s'agit pas seulement de ça, il s'agit aussi du patient. Et le patient choisit la dialyse péritonéale pour recevoir le traitement à domicile, pour qu'il ne soit pas piqué, pour qu'il ait surtout un temps libre. Et ce temps libre, il est important pour le patient, mais il est important aussi pour les accompagnants, pour la famille. Pour prendre en charge la famille, on doit avoir plus de temps. Et ça, c'est prouvé. La qualité de vie des accompagnants de la famille d'un patient en dialyse péritonéale, elle est améliorée de façon significative par rapport à la dialyse péritonéale. Ils ont moins d'anxiété, moins de dépression, une meilleure activité physique, une meilleure qualité de vie psychique. Donc, tous les scores sont plus importants et plus bénéfiques pour la dialyse péritonéale. Là aussi, la nécessité, c'est en rapport avec l'équité de soins et éviter l'exode rural. Et on sait que au Maroc, par exemple, 90% de la superficie marocaine est faite de milieux ruraux où il n'y a pas de centre d'hémodialyse. Et c'est là que la dialyse péritonéale pourrait avoir un rôle indiscutable. Surtout que le milieu rural dans le Nord-Afrique en général, il représente beaucoup de citoyens, mais aussi représente chez nous, par exemple, 20% du produit brut. Donc, c'est important sur le plan économique aussi de garder les patients dans le milieu rural. Maintenant, c'est triste, un rappel triste, c'est le tremblement de terre. On peut perdre tout ce qu'on a bâti en termes de centres d'hémodialyse et tout. Et là, la dialyse péritonéale pourrait réduire cette perte en cas de tremblements de terre ou catastrophes naturelles. Dans le Covid aussi, on disait aux gens de rester à domicile alors qu'ils devaient partir au centre d'hémodialyse. Donc, on a retrouvé dans notre étude que les patients qui étaient en dialyse péritonéale avaient le moins de risques de contracter le Covid ou d'autres virus en cas d'autres pandémies.
Il y a aussi une nouvelle donnée, c'est la pluie Néridot qui envahit toute l'Afrique et le Nord-Afrique ici. Et l'ADP pourrait être la solution à cette pénurie et à cette pénurie d'eau. Donc, pour ne pas tarder, donc je vais conclure pour dire que notre étude a retrouvé que le coût moyen de prise en charge en dialyse péritonéale était de 88 000 dirhams par an en comparaison avec les 120 000 dirhams de l'hémodialyse, qui permet une réduction du coût de prise en charge de dialyse. Et l'idéal, selon notre étude, c'est de prévenir les péritonites pour encore réduire ce coût. Nous avons des limites, notamment le caractère rétrospectif de l'étude et le nombre limité de patients. L'idéal, et c'est ce qu'on essaye de faire dans le futur, c'est d'avoir une étude prospective avec un bras appareillé en hémodialyse avec les mêmes comorbidités et inclure aussi les coûts directs et indirects, la qualité de vie et la survie pour avoir des résultats satisfaisants. Nous croyons toujours que la dialyse péritonéale pourrait toujours être avoir une place importante, surtout avec le slogan actuel de la Journée mondiale du rein, l'accès aux soins. Il doit être une partie incontournable dans l'accès du soin et arriver à ce rêve marocain qui est d'atteindre la couverture sanitaire universelle. C'est une chose qu'on croit qu'on va et on va y arriver, comme on a arrivé à plusieurs autres choses, notamment l'une des plus grandes stations solaires pour la production d'énergie renouvelable, l'usine qui produit plus de 1 000 véhicules par an dédiés à l'export. Ce sont des rêves qui sont devenus actuellement réalité. Et ceci, pourquoi? Parce que nous, les Nord-Africains en général, on croit, et les Africains, les Africains en général, on croit à la valeur des choses plus que leur coût. Et je vous remercie. C'est l'occasion de vous inviter à venir chez nous, au Maroc, très prochainement, Inch'Allah. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Bahadi, pour cette présentation très intéressante. Elle est excellente. Et aussi cette dernière slide. Enfin, je voudrais aller au Maroc maintenant avec tout ce couscous. Hein. Mais Bienvenue. vraiment, c'est enfin, c'est votre vos nombres sont vraiment choquants. Même personnellement, voyant des nombres comme ça, la question principale, je crois qu'on pourra discuter à la fin, c'est pourquoi, malgré tous ces nombres en faveur de l'ADP, on a toujours ce struggle dans nos pays d'avoir un projet et un programme enfin, partout, quoi. C'est ça, c'est la question principale. Et je crois qu'on va discuter ces points-là à la fin de notre présentation, de notre webinaire. Et je crois que c'est maintenant le temps de présenter Prof. Yousra Guedri. Enfin, aujourd'hui, elle va parler maintenant qu'on a été convaincu par Dr. Bahadi que l'ADP est importante. Dr. Yousra va maintenant nous montrer comment faire la prescription de l'ADP parce qu'elle a une expérience très ancienne. Elle a beaucoup de patients et elle va nous donner son expérience maintenant. Dr. Yousra, s'il vous plaît. Merci infiniment. Donc, merci, Dr. Behadi, pour la présentation et contente d'entendre que vous travaillez dans l'équipe de Dr. Driss El-Kabej, avec qui j'étais en France, effectivement, et on travaillait à Nantes ensemble à l'époque. Ça fait un bon moment. Alors, donc, je vais essayer, donc, bienvenue à tout le monde, à toute l'audition. Donc, et je vais partager avec vous mon écran concernant la dialyse péritonéale. Alors, vous voyez la présentation? Oui. Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, je vais avancer donc avec. Pouvez-vous mettre seulement sur le petit vert de COP pour que ça soit sur tout l'écran. Vous me dites Il y a un en signe en diaporama, bas à droite, il y a un comme. en bas, on, vous êtes en train de partager. Oui, ça c'est partagé, mais si vous pouvez faire la participation du screen, vous pouvez, sur le Le com. diaporama, c'est en haut à gauche.
haut à gauche, à côté de l'enregistreur. Alors, je vais essayer. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. OK. Alors, effectivement, donc, je vais essayer de vous parler aujourd'hui de la prescription en dialyse péritonéale. Et donc, là, donc, je vais commencer par donner un petit peu une petite introduction par rapport à la dialyse péritonéale comme étant une technique, comme vous le savez, d'épuration extracorporelle, extracorporelle, extrarénale, disons, mais intracorporelle. Donc, c'est une thérapie ambulatoire, une dialyse à domicile, qui permet énormément d'autonomie pour les patients. Toutefois, hein, on peut être assisté dans certaines situations. Et dont l'un des avantages majeurs est la bonne réinsertion sociale et professionnelle des patients et ce sentiment de bien-être physique et mental qui est senti par le patient et qui est senti donc également par son entourage. Là, donc, déjà, donc, prescrire. Ça veut dire que commencer déjà par prescrire quand vous allez poser le cathéter de dialyse péritonéale. Donc le timing est très très important. Et pour cela, nous avons des guidelines. Et les recommandations de l'ISPD 2010 par rapport à ça suggèrent que la pose devrait être au moins faite 2 semaines avant le démarrage de la dialyse péritonéale, même si certains auteurs préconisent une insertion du cathé 4 à 6 semaines à l'avance. Ceci est essentiellement pour éviter toutes les complications, surtout mécaniques, qui seraient associées à un démarrage précoce de la dialyse péritonéale après insertion du cathéter DP. Alors, ainsi que la dialyse péritonéale, et la dialyse péritonéale, donc, elle est faite de 3 phases. Une phase là où vous allez injecter la poche de dialyse dans la cavité abdominale, et c'est la phase d'infusion, qui sera suivie donc d'une phase de stase. Et puis, donc, il y aura à faire le drainage. Donc, et c'est la troisième, disons, donc, phase de ce cycle de dialyse péritonéale, qui soit en dialyse péritonéale automatisée ou en dialyse péritonéale continue ambulatoire. Et lorsqu'on est dans une phase, disons, de stase, c'est pour effectivement donc avoir les échanges en dialyse péritonéale. Et là, les échanges en dialyse péritonéale vont se faire grâce à 3 types de ports. Vous avez donc les ultra petits ports ou ce qu'on appelle les aquaporines, donc eux qui vont laisser passer uniquement l'eau libre. Vous avez les petits ports qui vont servir pour le passage d'eau, mais également les solutés, donc les petites molécules, les toxines urémiques telles que l'urée, la créatinine, les ions. Et puis, vous avez les grands pores, là où vous allez donc avoir essentiellement la perte de certaines macromolécules, éventuellement une certaine perte d'albumine. Alors, donc là, la répartition de ces pores va permettre les 2 phénomènes physiques qui gère un petit peu donc les échanges en dialyse péritonéale, à savoir la diffusion et la convection. Alors, les échanges, la diffusion, donc là c'est un transport, si vous voulez, donc diffusif, qui va se faire selon un gradient de concentration. Et vous allez avoir que les substances vont passer du plus concentré vers le moins concentré. Et vous voyez donc à votre droite donc les courbes avec l'élimination de l'urée de la créate. Donc tout ça va passer du sang du patient qui se trouve en fait, qui circule dans les capillaires péritonéaux, vers cette cavité donc de dialyse là où vous avez donc le dialysat. Parallèlement, vous allez voir que votre poche de dialysat contient un agent osmotique, en l'occurrence c'est le plus souvent utilisé, donc c'est le glucose, et ben cet agent osmotique va également diffuser, mais dans ce cas, donc dans un sens inverse, ça veut dire du liquide de dialyse vers le patient. Donc il va être réabsorbé, si je veux dire, par cette membrane d'échange péritonien. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène de convection.
dont l'aboutissement serait la réalisation d'une ultrafiltration, donc une élimination donc d'eau, qui sera associée à l'élimination de substances dissoutes. Et donc là, on dispose de différents agents osmotiques. Vous avez les agents osmotiques donc cristalloïdes, tels que le glucose. Et donc lui, il va, c'est le schéma que vous avez à votre gauche, donc laisser passer donc l'eau pratiquement avec une proportion égale entre les ultra petits pores ou les aquaporines et les petits pores. Alors contrairement à ça, vous avez l'agent osmotique colloïde et le seul dont on dispose jusqu'à maintenant, c'est les polymères de glucose ou les cotextrines, qui lui donc va laisser passer donc l'eau à travers les petits pores à 90% des cas. Donc là, vous avez donc ces deux phénomènes, donc dont l'objectif final étant l'atteinte de l'adéquation dans toutes ses dimensions. Donc à la base, vous devrez avoir un très bon programme, bien évidemment, pour réussir le GP, avec un cadre médical et paramédical, bien évidemment, mais un patient et la famille éventuellement, donc si elle sera impliqués dans ce programme de dialyse péritonéale. Alors, l'adéquation doit toucher à tout, hein, donc les maladies cardiovasculaires, l'arthropathie, la neuropathie, tout ce qui est équilibre phosphocalcique, mais très, très intéressant également, la qualité de vie des patients et la survie des patients, tout ça sont les objectifs de votre prescription en dialyse péritonéale. Alors, la prescription, si je résume, c'est vraiment une décision partagée qui va être faite entre une équipe médicale, paramédicale et le patient avec sa famille. Donc, très, très important de considérer la qualité de vie de votre patient qui doit être au centre de votre prescription. Et bien évidemment, donc votre prescription changera en fonction de certaines données, notamment le type de membrane péritonéale, et vous allez adapter, bien évidemment, votre prescription, le type de poche, le volume que vous allez donc injecter, la modalité de dialyse en soi, en fonction, bien évidemment, de la volonté de votre patient et des résultats, donc des bilans qui seront donc faits. Alors, pour prescrire, vous avez des paramètres, dont certaines sont non modifiables, on n'y peut rien, tels que la surface corporelle, la fonction rénale résiduelle, le type de transport péritonéal, mais que vous allez, bien évidemment, et pour atteindre l'adéquation, agir sur des paramètres modifiables, tels que le volume que vous allez donc infuser, le temps de stase, la modalité, la concentration de glucose dans les poches que on va utiliser et prescrire pour notre patient, et également donc le type de solution. Alors, ce qu'on va essayer de suivre maintenant, c'est ces différents éléments pour la prescription d'un programme de dialyse péritonéale, donc en commençant par la modalité, puis on va voir la dose d'épuration, le type de dialysable, le volume intrapéritonéal donc qu'on va injecter et le volume d'ultrafiltration obtenu. Alors, je vais commencer par la modalité de dialyse péritonéale à travers une petite vignette clinique. Donc, vous avez une jeune étudiante qui consulte à l'unité de dialyse péritonéale 4 semaines après l'insertion du cathé donc de dialyse. Elle veut bien reprendre donc ses études. Et donc là, quel serait donc le meilleur choix pour elle? Est-ce que ça sera la dialyse péritonéale automatisée ou bien la dialyse péritonéale continue ambulatoire? Alors, certainement, je répondrai par dire que ça sera donc la DPA pour quelqu'un qui est actif et qui continue donc à travailler ou à suivre donc des études. Et là, donc d'ailleurs, et d'après donc cette revue systématique et méta donc analyse, on conclut par dire que laissez votre patient participer au choix thérapeutique, puisque la modalité du traitement pour l'insuffisance rénale chronique terminale va avoir un impact majeur sur sa qualité donc de vie. Docteur Diost, désolé de vous interrompre. Pouvez-vous fermer le box qui est sur enfin, la partie supérieure de votre présentation pour qu'on puisse voir toutes les slides? Ok, Seulement donc fermer le box. Enfin, il y a un box qui est dans le top.
parce que ça cache une partie. Voilà. Non, il est descendu en bas. Il est descendu en bas, voilà, donc je vais Fermez-le, s'il essayer vous de plaît. voir. Donc, C'est dommage, les styles sont super. On voudrait même vraiment voir tout ce qu'il y a. le problème, c'est que il n'y a que la touche arrêter le partage. Alors, Minimiser, vous me finir. permettez, je vais essayer de... Faisais une minimisation, il y a cette petite barre. Juste 2 secondes, hein. D'accord, prenez votre temps. Hi. Maybe you could try to stop share your share and reshare your screen. That could help. Docteur, essayez d'arrêter de faire le share et recommencer. Peut-être que ça va disparaître. Je vais arrêter le partage, c'est ça? Exactement, exactement. Arrêtez le D'accord, partage je et vais arrêter. recommencer. D'accord, très bien. Alors. OK. Partager. Bon, c'est mieux, mais il y a toujours un Ah, box. c'est bon, j'ai vu une... Bon, non. C'est bon? J'espère, hein, C'est avec ça. mieux. Ouais, c'est C'est mieux. mieux. C'est dans Malheureusement, l'autre. je n'ai pas su comment enlever totalement. Je reprends la vidéo. Très bien. Donc, alors, Ça vient désolée. comme ça. Donc, Ouais. c'est un peu mieux? Ouais, beaucoup mieux. Allez, J'espère. on vous D'accord, attend. On très bien. attend. Merci. Alors, donc, désolée pour cette petite interruption. Donc, je termine par dire que, quelle que soit la modalité que votre patient va utiliser, qu'elle soit la DPA ou bien la DPCA, eh ben, la survie va être la même. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Ceci dit que, par contre, là, ce qui est préconisé, c'est commencer quand même par la DPCA pour certains avantages, notamment c'est la méthode de référence qui doit être maîtrisée. Comme c'est manuel, donc vous allez manipuler plus les connexions, donc c'est simple. Et en plus, il faut faire attention parce que des fois, il y a des coupures d'électricité, malheureusement. Et on doit avoir une sécurité pour le patient pour continuer à faire la dialyse péritonéale, même en l'absence d'électricité. Puis donc, la DPCA donc, va vous permettre de voir que votre cathéter fonctionne normalement. Et puis, aucun problème, si le patient a choisi la DPA, il aura de façon simultanée donc l'éducation au cycleur. Alors, la DPCA donc, ou la dialyse péritonéale continue ambulatoire, c'est cette technique donc manuelle avec des doubles poches. Le classique, c'est 4 échanges par jour, donc avec des échanges qui sont courts, donc diurnes, en moyenne 4 heures. Et puis, donc, vous allez donc avoir un lent échange donc nocturne. Donc là, donc c'est le quatrième et généralement, le volume donc infusé donc, est de litres. Puis donc on a donc cette deuxième donc, technique qui est donc la dialyse péritonéale automatisée qui est en fait une technique qui va être utilisée par un cycleur. Donc c'est un automate, une machine qui va faire toutes les infusions donc stase, drainage. Tout simplement, il suffit de la programmer. C'est la machine qui, tout simplement, le patient va se connecter une fois avant de s'endormir le soir. La machine donc va faire tous les cycles et le matin, il va de nouveau se déconnecter. Là, c'est les différents schémas, si vous voulez, de dialyse péritonéale automatisée qu'on peut prescrire chez un patient. Avec la dialyse péritonéale intermittente nocturne, c'est uniquement des cycles le soir pendant le sommeil.
Vous avez ce qu'on appelle la dialyse péritonéale intermittente. Et donc là, le patient va faire un échange supplémentaire court le jour et bien sûr donc les cycles de nuit. Vous avez la dialyse péritonéale continue cyclique. Et donc là, c'est une technique, si vous voulez, continue. Hein, donc il va avoir en permanence donc le ventre qui contient un dialysat, donc ventre plein le jour. Et là, on va faire appel aux solutions essentiellement des décodextrines. Et le soir, donc, on va avoir les cycles normaux. Puis donc, si on n'atteint pas l'adéquation et on a besoin de volume supplémentaire, on fait ce qu'on appelle la dialyse péritonéale continue optimisée. Donc, on rajoute encore un échange donc le jour. Donc, deux échanges le jour, un court, un long. Et puis donc, vous avez donc les cycles du soir. Et dans certaines situations, notamment lorsque votre patient a mal au moment du drainage de la poche de dialyse, on laisse un petit volume dans le ventre. C'est ce qu'on appelle la dialyse péritonéale automatisée fluctuante à 70%, à 80%. Ça sera déterminé selon le résultat. Ça veut dire que la machine va drainer 80% uniquement à la phase de drainage et 20% vont rester dans la cavité abdominale pour ne pas déclencher la douleur au moment de la fin du drainage. Alors, bien évidemment, donc c'est très maniable hein, en dialyse péritonéale. Un patient peut passer de la DPA vers la DPCA, donc de l'automatisé vers la manuelle et vice-versa. Pourquoi on peut, à la limite, switcher vers la DPA? C'est en grande partie si jamais la DPCA va entraver la qualité de vie de votre patient. Mais également, ça peut être pour des indications médicales telles que les transporteurs rapides hein, pour réduire le temps de stase, ou si on veut améliorer donc l'éclairance, puisque donc la DPA peut utiliser de grands volumes et donc ça améliore donc la clairance. Également dans certaines situations où vous avez des pressions intrapéritonéales qui sont élevées, on sait que la position et injecter un volume en position donc couchée n'est pas le même que si ce même volume il est injecté alors que votre patient est en position debout. Si on veut diminuer la pression intra-péritonéale et l'inconfort du patient, eh ben, on passe à la dialyse péritonéale automatisée. Alors, je vais passer actuellement donc à la dose de dialyse et je vais reprendre cette jeune qui a 20 ans. Qui a une diurèse résiduelle et qui va reprendre ses études certainement. Et vous avez ces propositions. Est-ce qu'on prescrirait la DPA la nuit uniquement et sans échange le jour? Est-ce que vous prescrivez deux échanges le jour? La DPA continue cyclique, ça veut dire que le ventre va être plein 24 sur 24, ou la dialyse péritonéale continue ambulatoire avec ventre plein la nuit? Alors, pour répondre à ça, il faut savoir que lorsque vous prescrivez en dialyse péritonéale, il y aura toujours une prescription initiale empirique. Alors, il faut jamais dépasser, si on est en DPCA, 4 échanges par jour, donc de 2 litres. Eh bien, donc, donnez-moi, c'est possible. Et c'est ce qu'on appelle la dialyse incrémentale. Ça veut dire que c'est une dialyse qui n'est pas full dose. Donc, vous allez donc donner 3 échanges, 2 échanges, voire même un échange. Alors, pour prescrire donc ce type de dialyse, on a besoin impérativement d'une fonction rénale résiduelle. Et donc là, vous avez donc l'incremental peritoneal dialysis avec les différentes possibilités pour la manuelle, donc la dialyse péritonéale continue ambulatoire. Vous pouvez injecter uniquement 3 poches le jour hein, avec ventre vide la nuit. Vous pouvez faire 2 échanges. Uniquement, vous pouvez faire un seul échange avec les codextrines. Vous pouvez garder les 4 échanges, mais avec un volume faible. Et vous pouvez même faire 4 jours par semaine, 6 jours par semaine, et laisser donc un week-end sans échange en dialyse. Alors, si on opte pour, disons, donc, cette modalité donc, de dialyse et la dialyse incrémentale, il faut savoir que c'est très important d'évaluer donc la dose de dialyse et donc on va calculer donc la clairance 6 semaines après l'initiation et par la suite vous êtes amené à réévaluer votre patient tous les 4 à 6 mois si il est stable et bien sûr il y aura toujours une évaluation clinique et biologique tous les 3 mois. Et donc là c'est un exemple de dialyse incrémentale avec la DPCA.
Donc, le premier, donc vous avez un ventre qui est vide le jour, hein, rien, uniquement un échange donc le soir avec l'échodextrine. Comme on peut utiliser des échanges le jour parce que votre patient préfère dormir le ventre vide donc le soir, et donc c'est très très maniable et on peut changer notre prescription. Et chose très importante par contre, il faut mettre en tête de vos patients que la dialyse incrémentale n'est qu'une phase temporaire. Ça veut dire que plus la fonction donc rénale résiduelle va baisser, plus la dose de dialyse donc va augmenter, donc jusqu'à reprendre, disons, les volumes donc normaux chez un patient donc normal. Alors, vous allez la prescrire, comme j'ai dit, si vous avez une fonction rénale résiduelle donc supérieure à 5 millilitres par minute, et que, bien évidemment, avec la dose que vous avez donc réduite, que vous avez donc prescrite, vous devrez obligatoirement arriver à un bon contrôle de la volémie et un bon contrôle métabolique. Alors, les avantages de cette dialyse incrémentale, d'une part, ça permet donc une certaine adaptation du patient, même sur le plan psychologique avec la dialyse. Et on sait tous les problèmes psychologiques que présentent les patients lorsqu'on annonce déjà le démarrage de l'épuration extrarénale. Il y aura une charge de travail qui sera moindre, que ce soit pour le patient ou bien pour les soignants. Également, hein, le coût, donc c'est très très important. Et vous avez donc vu le coût que fait donc la dialyse donc aux différentes populations et en Afrique en particulier. Et si vous donnez moins d'échanges, vous exposez moins votre membrane péritonéale donc au glucose. Alors. Là donc vous avez donc un exemple en fonction de la fonction rénale résiduelle que vous avez. Et ben donc si vous avez une bonne fonction résiduelle à 10 millilitres par minute, on peut se contenter d'un échange par jour. Si la clairance donc baisse à 7 millilitres, on sera à 2 échanges par jour. Donc si ça baisse encore à 5, 6 millilitres par minute, c'est 3 échanges par jour. Et si on est au-dessous de 5 millilitres par minute, on ne parle plus de dialyse incrémentale. Alors, que fait la dialyse incrémentale à part diminuer donc un petit peu le coût, diminuer donc la charge de travail? Eh ben, elle préserve la fonction rénale résiduelle. On sait l'intérêt de garder une fonction rénale résiduelle en dialyse péritonéale. C'est vrai qu'elle n'a pas d'impact sur la survie, sur la mortalité, la survie de la technique et le taux de péritonite, mais très très important, la préservation de la fonction rénale résiduelle. Alors, si vous prescrivez une modalité, vous prescrivez donc un volume, eh ben, il faut toujours évaluer ce que vous avez donc prescrit. Et pour évaluer, donc, on a un recours au PET-test, donc le test d'équilibration péritonéale, qui permet donc d'évaluer les caractéristiques de la membrane péritonéale de votre patient, et le cathé, donc survée hebdomadaire. Et je vais commencer par le PET-test à travers encore une fois une petite vignette clinique. Donc, vous avez un monsieur qui a commencé par la dialyse incrémentale, 2 échanges uniquement donc le jour avec 4 heures de stase, il injecte 2 litres. Et ben pour le premier volume qu'il a injecté de la poche médiotonique, donc vous avez un volume qui a été drainé de 2 litres, hein, c'est exactement la même chose. Et lorsqu'il a avec la poche qui contient moins d'agents osmotiques, c'est ce qu'on appelle la poche isotonique, eh ben, il a infusé, injecté 2 litres et il n'a drainé que 1,8 litre. Ça veut dire qu'il a fait moins de sang. L'infusion est facile, le drainage est facile, ça suppose qu'il n'y a pas de problème avec le cathé. On a quand même fait un arbre urinaire sans préparation qui montre que votre cathé il est en place. Et alors, on se demande quel est le type de perméabilité. Chez quelqu'un qui fait des stases de 4 heures et qui fait de l'UF soit nul, soit négatif, alors certainement votre patient sera hyper perméable. Alors, je vais m'étaler un petit peu sur ce PET-test pour dire que c'est un test qui sera fait chez vos patients en dialyse péritonéale, que ça nécessite généralement une demi-journée donc à l'hôpital pour vos patients. Donc, il y aura des prélèvements qui seront fait sur le dialysat à 0 heure, à 2 heures de stase, à 4 heures de stase et un prélèvement sanguin qui sera fait
2 heures. Donc, vous avez donc une fiche que vous allez donc suivre, préciser donc la date, bien sûr, préciser donc la poche. Et généralement, lorsqu'on parle d'un PET standard, c'est un PET qui sera fait avec une poche midiotonique à 2,27%. Par contre, vous avez le PET modifié, donc, et on en parlera peut-être une autre fois avec les différents tests péritoniaux. Donc, il y aura les prélèvements dont je venais de dire au niveau du dialysat et un prélèvement donc sanguin. Et tout compte fait, et grâce au PD, donc ADQuest, vous allez donc avoir le type de perméabilité de votre patient. Alors, ce test sera fait idéalement après 6 semaines, entre 4 et 8 semaines de l'insertion du cathé. Et puis, il sera donc à refaire chaque fois que vous avez un problème de péritonite, d'un problème d'inadéquation de surcharge. Et idéalement, même en l'absence de problème, l'idéal serait de le refaire de façon annuel. Et là, vous avez le résultat du PET-test, soit l'apparition de la créate dans le dialysat, soit la décroissance ou la disparition du glucose du dialysat. Alors, si je prends la créate, vous avez donc le jaune, c'est ce qu'on appelle les patients qui sont hypoperméables. Et puis vous avez l'orangé, c'est les moyennement hypoperméables. Donc, le bleu, donc c'est les moyennement hyperperméables. Et le mauve, c'est les hyperperméables. Alors, ça veut dire quoi qu'un patient hyperperméable, ce qui est dans le mauve, hein, que ce soit avec le glucose ou bien avec la créatinine, ça veut dire que c'est un patient qui va faire très rapidement l'éclairance. Hein, l'urée, la créatinine vont passer rapidement, mais malheureusement, vous allez avoir également un passage très rapide du glucose. Et si on perd le glucose du liquide de dialysate, ça veut dire que vous n'avez plus de gradient osmotique, ça veut dire que vous n'allez plus avoir un passage d'eau et une ultrafiltration négative et par conséquent un risque de surcharge. Donc pour ces patients qui se trouvent dans le mauve, il ne faut pas laisser un temps de stase lent pour que le glucose ne disparaisse pas. Et c'est pour cela que pour ces patients, vous allez prescrire la dialyse péritonéale automatisée puisque donc au cours de la DPA, vous avez des cycles qui sont courts. Contrairement à la DPCA, où les cycles généralement sont de 4 heures et plus, hein. Et donc, là, ce n'est pas la meilleure technique pour ces patients. Alors que si on est dans le jeûne, c'est ce qu'on appelle les transporteurs donc lents, là, il n'y a pas de problème pour les stases. C'est des patients qui peuvent rester des heures et des heures. Ça ne fait qu'augmenter la clairance et ça ne fait qu'augmenter l'ultrafiltration. Et d'ailleurs, il faut qu'il ait des temps de stase qui sont prolongés. Et pour ces patients, ça sera plutôt la manuelle, pardon, donc la dialyse péritonéale continue ambulatoire. Et heureusement, 84% des patients vont se retrouver entre le bleu et l'orangé. Ça veut dire qu'on est dans le moyennement hypo-hyper. Et là où vous avez la possibilité de prescrire soit la DPA, soit la DPCA. Et donc, sur la base de ce PET-test, si on est hyperperméable, c'est toujours un cycleur. Si on est moyennement hyperperméable, eh ben là, ce sera les deux possibilités, la DPCA ou bien la DPA. Si on est des moyennement hypo, eh ben là, on va regarder un petit peu la fonction rénale résiduelle. Si elle est bonne, eh ben votre patient peut être aussi bien en dialyse péritonéale continue cyclique ou bien en DPCA. Alors que si la fonction rénale résiduelle de ce patient n'est pas bonne, inférieure à 2 millilitres par minute, et donc là, c'est plutôt la manuelle, donc la dialyse péritonéale continue ambulatoire. Alors, le dernier cas de figure, donc c'est ces patients qui sont hypoperméables, et bien là, on va regarder la surface corporelle. Et si leur surface corporelle, elle est inférieure à 2 mètres carrés, c'est la dialyse péritonéale continue ambulatoire avec de haut dosage, hein, au volume. Malheureusement, donc si votre patient se trouve hypoperméable avec une surface corporelle supérieure à 2 mètres carrés, là, la dialyse péritonéale, franchement, va poser problème et vous n'allez pas atteindre l'adéquation avec votre patient. Alors, les cibles, ce qu'on doit viser avec ces doses et ces modifications donc, de volume et de modalité, c'est une clairance de l'urée ou ce qu'on appelle le cathé sur V supérieur à 1,7 et une clairance totale de la créatinine, clairance péritonéale et clairance rénale. Supérieur à 50 litres par semaine par 1,73 mètres carrés. Et donc là, le cathé sur V continue à être un indicateur, si vous voulez, consensuel de la qualité et de la dose de dialyse en dialyse péritonéale et doit être supérieur à 1,7. Alors,
Le timing pour le KT-Survey, certainement, vous allez le faire un mois après le démarrage et puis donc une fois tous les 4 mois. Sinon, si vous avez donc une modification de la fonction rénale résiduelle ou des indications cliniques, donc on peut le faire de façon plus fréquente pour le PET test. C'est ce que je venais de dire, donc 4-8 semaines après. Et puis, si jamais vous avez des modifications de l'ultrafiltration ou bien un état de surcharge ou bien donc vous avez la nécessité de prescrire des solutions hypertoniques pour obtenir donc le volumie. Donc, si vous avez des signes d'urémie ou une aggravation de l'HTA, là également, on est obligé de refaire ce PET-test pour réévaluer donc votre membrane péritonéale ou la membrane de votre patient. Alors, je vais passer maintenant au type de dialysat. C'est très, très important. Le dialysat, on ne peut pas faire l'ADP sans ça. Eh ben, avec un composant majoritaire qui est donc l'eau, bien sûr, mais à côté de l'eau, vous allez avoir les électrolytes, les substances donc tampons et l'agent osmotique. Alors, pour les substances tampons, le plus couramment utilisé, donc, c'est le lactate avec les poches de dialyne. Sinon, vous avez donc le bicarbonate, donc lactate, et vous avez donc le bicarbonate comme substance tampon. Et pour les agents osmotiques, on a deux agents osmotiques de type. Les cristalloïdes, donc c'est essentiellement donc le glucose et les acides aminés. Et vous avez donc les agents osmotiques, colloïdes ou bien les cotextrines. Alors, je commence par les cristalloïdes, donc le glucose, donc ce qu'on appelle donc le dianyle. Et là, donc, c'est des solutions dont le pH il est acide, ou bien le physionyle est là où vous avez donc un pH qui est donc plutôt donc neutre. Et donc là, vous voyez que plus vous augmentez la concentration de glucose, on passe du 1,36% à 3,86. Ça veut dire qu'on passe de 15 grammes par litre à 42,5 grammes par litre. Ça veut dire que plus vous augmentez le glucose, votre osmolarité va augmenter et on passe de 347 milliosmol à 486 milliosmol. Et si vous augmentez l'osmolarité, vous augmentez l'ultrafiltration. D'ailleurs, on reconnaît ces poches. Donc, les jaunes sont ce qu'on appelle iso osmotique et c'est le 15 grammes par litre ou le 1,36. Le vert, c'est les poches médiotoniques avec une concentration en glucose à 25 grammes. Et les rouges, donc, c'est ce qu'on appelle les poches hypertoniques, là où l'osmolarité, elle est la plus élevée, mais également, vous allez avoir une concentration de glucose encore plus élevée. Autre agent osmotique, cristalloïde, donc, c'est des acides aminés, initialement prescrits dans l'objectif d'améliorer donc le statut nutritionnel, mais les études ont démontré que vraiment il n'y a pas de modification du statut nutritionnel si vous utilisez ces poches et ils n'ont pas non plus un impact sur la survie. Le seul bénéfice à utiliser ces poches, c'est l'épargne en glucose. Donc ça ne contient pas de glucose et donc c'est plus biocompatible si vous voulez. Alors, l'agent osmotique, donc là, qui est le plus biocompatible, si je veux dire, c'est ce qu'on appelle donc les colloïdes, donc les codextrines. Alors, les codextrines doivent être obligatoirement données pour un échange lent. Si on considère la DPA, vous allez donc le donner donc le jour. Si on considère la dialyse péritonéale continue ambulatoire, vous allez donc le mettre en échange donc de nuit. Et ces poches donc, doivent être indiquées obligatoirement si votre patient il est anurique, s'il est en insuffisance donc d'ultrafiltration, également s'il est transporteur rapide, puisque c'est les seuls qui peuvent être administrés pour de longues périodes et qui vont maintenir quand même une ultrafiltration. Si votre patient vient en dialyse péritonéale après échec, d'abord vasculaire, épuisement vasculaire, et bien là, on ne peut faire que la dialyse péritonéale. S'il ne pourra pas être greffé un jour, eh ben, c'est très, très important d'augmenter la longévité de la membrane péritonéale par l'utilisation de ces poches biocompatibles chez les diabétiques, puisqu'on sait que si on va utiliser comme agent osmotique le glucose, vous allez déséquilibrer donc le diabète. Et bien sûr, chaque fois que c'est possible, parce que je vous rappelle que ces poches coûtent plus cher que les poches dont l'agent osmotique est le glucose. Et donc, dans la mesure de la possibilité de les utiliser, donc on va les garder donc nous personnellement pour les indications précédentes, mais ailleurs on peut les prescrire pour tout simplement augmenter la survie de la technique et utiliser une poche biocompatible. Une chose très importante à considérer, si vous donnez
à votre patient diabétique de l'échodextrine et que votre patient est amené à surveiller sa glycémie, faites attention au glucomètre qu'il utilise. Et le glucomètre doit utiliser donc la glucose oxydase comme moyen de dosage de la glycémie donc au doigt, parce que sinon, si c'est un autre moyen de dosage, eh ben, y a une certaine quantité d'échodextrine qui peut être absorbée par les lymphatiques et qui peut être et qui va obligatoirement hein, être transformée en maltose. Et le maltose peut être détecté par certains glucomètres comme étant du glucose et ça va surestimer la glycémie de votre patient avec le risque de majorer les doses et tomber dans l'hypoglycémie suite à la majoration des doses d'insuline. Alors, l'ultrafiltration que vous allez donc obtenir, donc c'est celle-là. Ce que vous voyez en rouge, c'est les poches hypertoniques, c'est de fortes ultrafiltrations, mais à partir d'un certain temps, avec la disparition de glucose, on risque donc de faire baisser cette ultrafiltration. Avec le bleu, c'est la faible ultrafiltration qui est obtenue avec les faibles concentrations en glucose. Et avec le mauve, vous avez donc l'échodextrine avec une ultrafiltration qui va être soutenue. Plus vous gardez la poche, plus vous allez avoir d'ultrafiltration. Et d'ailleurs, il n'est pas préconisé de laisser la poche d'échodextrine moins de 8-9 heures pour avoir une ultrafiltration donc bonne. Et avec l'échodextrine, cette poche biocompatible des polymères de glucose, quel que soit le type de perméabilité, qu'on est hyperperméable, hypoperméable ou moyennement hypo-hyper, c'est le même taux d'ultrafiltration que vous allez donc avoir donc chez vos patients. Alors, des études sont en cours pour le développement de nouvelles donc solutions. Vous avez donc de nouveaux agents et actuellement donc il y a une étude donc qui est en cours qui va essayer de comparer comme agent osmotique, la L-carnitine et le xylitol. Donc, et là, donc, on n'a pas encore les résultats de cette étude. Et c'est en vue, encore une fois, d'avoir des solutions biocompatibles sans glucose. Alors, je passe au volume que vous allez injecter dans la cavité abdominale donc, de vos patients à travers encore une petite vignette clinique. Alors, votre patient se plaint d'inconfort abdominal à chaque fois qu'il termine l'infusion des 2 litres. Donc, le liquide, il est clair, hein, ce n'est pas un problème de péritonite. Alors, je demande quel serait votre diagnostic et quelle est votre action. Alors, face à un inconfort, chaque fois qu'on termine un certain volume, alors, il faut mettre en tête l'hyperpression intra-péritonéale. Et je suis désolée si le titre n'apparaît pas, c'est la mesure de la pression intra-péritonéale. Qui est en fait une mesure qui n'est pas faite de façon très courante dans tous les centres. Nous, on en fait, à un certain moment, on faisait ça de façon systématique, mais actuellement, on le fait que si on a un doute sur une hyperpression intra-abdominale. Alors, ça se fait chez un patient après 2 heures de stase d'une poche hypertonique pour avoir le maximum d'ultrafiltration. Et on va voir la montée du liquide de dialyse péritonéale le long de la colonne donc de drainage par rapport à une ligne zéro qui passe par la ligne horizontale, donc médio-axillaire, en aspiration forcée, en expiration forcée, et vous faites donc la moyenne. Et on sait que pour chaque litre que vous injectez, vous allez augmenter la pression de votre patient de 2 cm donc d'eau, et que pour chaque centimètre d'eau d'augmentation, eh ben, vous allez augmenter la réabsorption lymphatique d'à peu près donc 35 millilitres par heure. Donc là, ce que va être associé à l'élévation de la pression intrapéritonéale, donc c'est l'augmentation de la réabsorption lymphatique et par conséquence la baisse de l'ultrafiltration et l'inconfort pour votre patient et puis le risque d'avoir des complications péritonéales, en l'occurrence tout ce qui est problème d'hernie. Alors, pour cela, en fonction de la pression intrapéritonéale, vous allez prescrire un volume bien déterminé. Si la pression elle est inférieure à 14, eh ben là, vous pouvez y aller jusqu'à 3 litres. Hein. Si on est à 15, donc ça sera 2 litres et demi. Si on est à 16, et c'est là la moyenne pratiquement de la majorité des patients, on sera à 2 litres par injection. Si on est à 17 cm d'eau, c'est 1 litre et demi, il faut baisser. Si on est à 18, on n'est pas autorisé à mettre plus de 1 litre de dialysat. Et si on dépasse les 8, on est dans le rouge et ce n'est pas une technique adaptée à la dialyse péritonéale pour ces patients.
Alors, on se demande si on sera amené à commencer la dialyse péritonéale en urgence. Certainement, on en fait, hein. Donc, si vous avez quelqu'un qui arrive et qui est diagnostiqué IRC terminal et qui opte très rapidement pour la dialyse péritonéale, eh ben, toujours, il faut accepter le choix du patient. Parce que vous savez que ne pas avoir une planification de la dialyse qui soit hémodialyse ou dialyse péritonéale, c'est pratiquement la même survie, donc il ne faut pas priver vos patients de ça, sauf qu'il faut faire attention lorsque le début, il est urgent. On peut commencer hein, dès J0, mais on n'est pas autorisé à injecter plus de 5 litres, et c'est uniquement en DPA que les patients doivent être mis pour avoir le minimum de pression intra-abdominale en position couchée. Puis donc, à partir de J1, J2, vous allez pouvoir augmenter le volume progressivement jusqu'à arriver donc au 8e, 10e jour, là où vous êtes autorisé à donner donc le volume donc optimal donc de 2 litres et de passer éventuellement à la DPCA sans risque pour votre patient. Alors, je terminerai les paramètres de prescription par l'ultrafiltration. Alors, l'ultrafiltration, c'est ce que vous allez observer entre le volume que vous avez donc injecté et le volume que vous avez donc drainé. Alors que réellement, lui, c'est une différence entre l'ultrafiltration réelle qui a été obtenue à travers les ultra petits pores, les petits pores, et la réabsorption donc lymphatique. Alors, qu'est-ce qui est préconisé en matière d'ultrafiltration? Eh ben, il faut avoir l'idéal, une ultrafiltration qui dépasse les 750 millilitres par jour si votre patient il est anurique. Alors, si votre patient a encore une fonction rénale résiduelle, ça veut dire supérieure à 2 millilitres par minute, eh ben, une ultrafiltration optimale peut être considérée à partir de 250 millilitres. Mais faites attention, même si votre patient a 7 millilitres minute ou plus de fonction rénale résiduelle, en aucun cas, il faut accepter une ultrafiltration négative. Donc, il faut toujours qu'on soit dans le positif. Et donc là, vous voyez, donc en haut et à gauche, donc c'est les transporteurs lents, et vous voyez que quel que soit le type de poche que vous injectez, vous arrivez quand même à avoir de l'ultrafiltration. Contrairement aux hyperperméables, l'image donc qui se trouve donc en bas et à droite, là, avec les concentrations faibles en glucose, vous avez très très rapidement donc la perte de l'ultrafiltration. Et la solution donc étant de donner l'écho d'excision pour ces patients et de passer en DPA pour avoir des stases courtes pour éviter que votre glucose donc ne passe rapidement et que le gradient osmotique ne se dissipe. Alors, je pourrais pas finir les paramètres de prescription sans parler de la préservation de la fonction donc rénale résiduelle donc vu son importance. Alors, par quoi on peut la préserver? C'est par les bloqueurs du système rénine-angiotensine aldostérone. C'est très, très important de faire cette prescription à la fois pour préserver la fonction rénale résiduelle de vos patients et également, ça a été prouvé un effet bénéfique pour la membrane péritonéale et pour tout ce qui est risque de fibrose. Ils font la même chose qu'ils le font chez quelqu'un qui a la néphropathie donc diabétique, sauf seule précaution, c'est l'hyperkaliémie, mais on sait que la majorité de vos patients en dialyse péritonéale ont plutôt tendance à avoir de l'hypokaliémie. Deuxième chose, c'est par l'utilisation donc des solutions donc biocompatibles. Et la troisième chose, par la prescription de la dialyse incrémentale chaque fois que c'est possible. Alors, lorsque vous préservez cette fonction donc rénale résiduelle et vous l'avez chez vos patients, eh ben, ça permet d'une part d'améliorer donc tout ce qui est clairance, d'améliorer la volumie, d'améliorer l'élimination des moyennes molécules telles que la bêta-2-microglobuline, un meilleur contrôle des phosphates, un meilleur contrôle de la pression artérielle, une réduction de l'HVG, un meilleur état nutritionnel et certainement une inflammation donc moindre. Alors, la fonction rénale résiduelle se calcule par la clairance de la créate avec la clairance de l'urée que vous divisez donc par deux et vous avez la fonction rénale résiduelle en dialyse péritonéale. Alors, pour résumer votre prescription, donc très très important de commencer par préciser le nombre d'échanges qui lui dépendra essentiellement de votre fonction rénale résiduelle, de choisir l'agent osmotique et l'idéal serait de mettre l'écho-dextrine pour les stases lentes et le glucose et les acides aminés pour les stases courtes
en minimisant au maximum donc l'utilisation donc les poches qui sont riches en glucose. Puis pour les électrolytes, vous avez en particulier donc le calcium, et donc là vous avez deux concentrations, le 1,25 et le 1,75 donc millimoles par litre. Et là votre prescription dépendra essentiellement de taux de parathormones et de la calcémie. Et bien évidemment, vous avez d'autres paramètres sur lesquels on est obligé également donc de tenir compte, notamment la biocompatibilité, l'acidose, mais également donc le coût de ces solutions de dialyse. Et que à partir d'une prescription initiale, vous êtes obligé d'intensifier si on n'atteint pas l'adéquatie, que ce soit par rapport au volume, par rapport à la diminution de votre fonction rénale résiduelle, à la dyskaliémie, l'hyperphosphorémie. Donc tous les paramètres, et notamment la qualité de vie, donc tous les paramètres doivent être revus. Et la dialyse doit être révisée, si vous voulez, et réadaptée. Alors, je termine par ma conclusion en disant que très, très important, cette prise de décision partagée entre équipe soignante et patient, que monitorage continu, c'est vrai que la dialyse péritonéale, c'est une dialyse à domicile, mais certainement, il y aura un monitorage continu de votre patient. Très, très important de sélectionner donc les patients pour la dialyse péritonéale, de respecter la volonté du patient, d'aller vers une dialyse de qualité. Et donc là, le type de perméabilité joue un rôle pour votre prescription. Évaluer votre prescription initiale, l'individualiser. Et par la suite, vous allez ajuster, diminuer au maximum l'utilisation des concentrations élevées en glucose, donc pour une meilleure biocompatibilité. Et très, très important, la préservation de la fonction rénale résiduelle, en évitant les chutes tensionnelles, en évitant les médicaments donc néphrotoxiques. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Yousra, pour cette présentation superbe. Enfin, je suis personnellement très impressionnée comment vous avez pu couvrir un sujet qui est vraiment très grand dans ce temps limité d'une façon très claire et très précise. Enfin, je crois que ce sera un guide pour n'importe qui compte commencer à faire un programme de DP. Vraiment, c'était excellent. Merci pour votre effort et pour votre clarté et tout. C'était merveilleux. Vraiment, vous deux, aujourd'hui, nous avons eu des présentations qui sont vraiment sublimes. Je veux commencer avec Dr. Jusser. Je voudrais vous demander, parce que vous avez parlé de la dialyse, quand on a toujours de la fonction qui est résiduelle, et que dans ces patients-là, au début, quand c'est incrémental, vous pouvez donner aux patients 1 ou 2 jours de vacances. Mais ma question, c'est est-ce que vous pouvez le faire dans les patients qui n'ont plus de fonction résiduelle, c'est-à-dire des patients qui sont en dialyse? Parce que j'ai entendu dire que en Angleterre, par exemple, ils aiment leur donner 1 jour par semaine comme un jour de vacances, quoi. C'est possible ou pas? Et vous faites ça en Tunisie ou pas? Franchement, les recommandations sont claires. Si on n'a pas de fonction rénale résiduelle, on n'est pas autorisé à avoir ça. Mais dans certaines situations, je sais qu'on peut être obligé de le faire, hein, pour une raison ou une autre. Donc, si votre patient n'a pas de problème de surcharge, si votre patient donc n'a pas d'hyperkaliémie, eh ben ça peut arriver. Donc, même si vous le prescrivez pas, votre patient va le faire s'il a besoin de le faire. Et on sait que oui, mais on insiste sur le fait des fois, donc moi ce que je préconise pour ces patients qui se trouvent des fois en déplacement, des études et qui ont des problèmes par rapport à des jours bien particuliers, c'est au moins faire un échange avec les codextrines et passer toute la journée avec une poche des codextrines. Donc je dirais, mais ça reste possible franchement si votre patient est assez stable. Donc je dirais. C'est toujours la décision du médecin qui est proche du patient, qui le connaît, enfin, c'est quelqu'un qui peut avoir de la discipline. C'est ça, enfin, c'est le médecin qui décide ça. Docteur Bahedi, enfin, j'aimerais bien vous demander, ça c'est quelque chose de personnel. Enfin, vous avez parlé du programme qui a commencé depuis assez longtemps au Maroc et que le coût au Maroc est beaucoup moins cher de la HD et que bien sûr, comme vous avez dit d'une façon très claire, que ce serait très important qu'on puisse le faire au Maroc, spécialement dans les endroits ruraux, etc. Pourquoi jusqu'à maintenant le nombre n'a pas augmenté au Maroc? Ça, c'est ma question principale.
Oui, mais c'est la chose. Ça peut paraître une question simple, mais c'est Moi, je une sais. question Enfin, très, en très, général, très, très c'est quoi les complexe. facteurs Oui, principaux, ouais. oui. Mais, alors, personnellement, il y a deux grands facteurs. Je pense, personnellement, le premier facteur, c'est le modèle économique avec lequel on rembourse la dialyse péritonéale. Donc, qui pénalise l'ADP et la montre beaucoup plus chère. Comment? Je vais m'expliquer. Parce que chez nous, par exemple, le remboursement de la dialyse péritonéale est le même que l'hémodialyse, donc à pied d'égalité. Et les fois où on a besoin d'échodextrine, d'augmenter les échanges à 4 échanges par jour, ça dépasse le forfait et ça limite un peu la prescription des médecins parce qu'ils sont un peu, ils trouvent une difficulté à suivre les patients en cas de besoin de plus de solutions. Donc c'est pour ça ce modèle qui rembourse l'ADP comme l'hémodialyse, il pénalise un peu l'ADP plus que l'hémodialyse. Une deuxième raison, et je trouve aussi raisonnable, c'est que à plusieurs reprises, c'est le manque d'informations. Les patients ne sont pas sur le même point d'égalité en termes d'informations qu'il existe. Ils ont la possibilité de faire une dialyse à domicile. Donc, leur choix, quand on a 99% de patients en hémodialyse, la seule information qui est disponible en dehors des centres qui pratiquent la dialyse péritonéale, c'est qu'il y a l'hémodialyse. Donc, le patient se tourne vite vers une technique qui est plus large, plus connue. Il veut pas, entre parenthèses, s'aventurer avec une technique que personne ne connaît. D'ailleurs, quand il va demander à d'autres patients, je vais faire la dialyse à domicile, ils vont simplement lui dire, on n'a jamais entendu de ça, donc c'est plus de complications qui effraient même les professionnels. Donc, c'est un manque d'information et un manque aussi de formation continue tout le temps. Il va rappeler que c'est une technique qui n'est pas en concurrence avec l'hémodialyse, mais c'est une Mais technique j'ai indispensable. une question enfin regardant ce point-là. Est-ce que vous avez un programme dans vos cliniques de maladies rénales chroniques, quand les patients sont dans des stages un peu avancés, est-ce que les médecins ont le temps et la capacité d'expliquer aux patients qu'il y a deux choix, qu'il y a la DP et la HD, et essayer de leur expliquer pour les encourager? Est-ce que vous faites ça dans vos cliniques ou pas? Normalement, ça se fait. Normalement, ça se fait. Il y a un programme d'éducation thérapeutique quand le patient atteint le stade d'insuffisance rénale chronique terminale. Mais là, j'avais pas le temps de le montrer sur quelques slides. Le problème, c'est qui va faire dispenser cette information. Donc, lui-même, il doit être convaincu que les deux techniques sont pareilles. Donc, si on explique, c'est quelqu'un qui n'est pas lui-même convaincu de la technique, il va pas être convaincant pour le patient. Donc c'est ça qui pose problème dans ce chapitre d'information des patients. Et on y travaille dernièrement, on y travaille sur un programme d'éducation thérapeutique pour avoir un support informatique écrit et audiovisuel pour avoir la même information partout chez tous les patients. Mais ça reste un peu difficile sur le terrain pour le diffuser pas. Enfin, j'admire le travail que vous avez fait au Maroc et aussi votre étude, elle est très pratique. Enfin, essayer à la fin de voir le coût réel, c'est à la fin, c'est toujours une question d'argent quand on voit c'est quoi qui marche et c'est quoi qui ne marche pas. Et je ne sais pas si votre étude pourrait être présentée d'une façon peut-être plus pratique au gouvernement, peut-être qu'il y aura des changements, c'est possible ou pas? Vous avez pensé à faire une chose pareille? Pour le remboursement, vous avez dit qu'un des problèmes, c'est que les deux sont remboursés d'une façon similaire, le DP et le HD. Peut-être si cette étude est présentée au gouvernement, peut-être qu'il y aura enfin une façon différente de remboursement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en effet, c'est très intéressant. C'est depuis le début de l'étude, c'était ça l'objectif, c'est de convaincre les pouvoirs publics que c'est une technique qui revient moins cher. Malheureusement, on n'a pas pu inclure
le coût d'investissement dans les centres, la construction et tout, ça va devenir encore plus efficace. Malheureusement, on n'a pas pu faire cette étude des coûts indirects. On essaye d'avoir un contact. En fait, c'est un cercle vicieux. Quand on a un faible nombre, même les assurances, ils se disent qu'on va changer toute une modalité, un système qui est rodé pour le remboursement, juste pour une minorité. Donc, ils gardent toujours C'est le le même. cercle Et vicieux. le problème réel auquel on essaye de régler pour convaincre les assurances surtout, parce que c'est les assurances qui décident de tout, du remboursement, c'est le manque de... À domicile, il y a un problème d'observance thérapeutique. Donc, les assurances, à chaque fois, ils remettent en question la fidélité d'usage du matériel remboursé. Donc, eux, ils vont rembourser un traitement, ils doivent être sûrs qu'il était utilisé. Donc, si le patient est remboursé pour 3 poches, on doit être sûr qu'il a utilisé 3 et pas 4, pas 2. Donc, c'est un problème C'est difficile, quoi. récurrent. Docteur Youssef, enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi, enfin, en Tunisie, le programme, il est fort, ça fait depuis très longtemps, mais aussi, à Oui, la fin, le également. nombre de patients n'est C'est pas, pareil. Hein. enfin, ce qu'on en... Ouais, exactement. Ce D'ailleurs, sont c'est les mêmes pareil, je problèmes, ce pense qu'on sont des est... problèmes Oui, on est différents. à 290 patients, hein, pareil, hein, pratiquement. Peut-être pour une population qui est moins nombreuse, hein, donc en pourcentage, donc on serait à 2%, 3%, c'est quelque chose comme ça. Nous, par contre, le problème peut-être de remboursement ne se pose pas, parce que ici, c'est le choix du patient. Et ici, une fois le patient a choisi la dialyse péritonéale, il sera pris en charge par la sécurité sociale. Il n'y a pas d'assurance qui prenne en charge. C'est l'État, que ce soit par la sécurité sociale ou bien les indigents, ce sera l'hôpital. Donc, le problème ne se pose pas là. Mais personnellement, on a fait une étude, donc, et contrairement, et heureusement pour vous, hein, que vous avez trouvé un coût qui était moindre pour la dialyse péritonéale. Moi, personnellement, j'étais partie sur un projet avec l'école des ingénieurs de Tunis El Manal, qui ont essayé de calculer le coût, effectivement, même pour les déplacements, hein, des patients, tout ça. Ils ont calculé un petit peu des trajectoires, des formules mathématiques pour faire tout ça. Et le contraire, hein, nous, on a trouvé que l'ADP coûte plus cher. Et d'ailleurs, moi, personnellement, c'est ça qui me gêne. Hein, donc, ça coûte cher parce que tout est importé en fin de compte. On n'a pas de production locale. Et je pense, le jour où il y aura une production locale, je dirais au moins africaine, hein, parce qu'on sera dans le même continent au moins, certainement le coût serait moindre et la possibilité d'inclure des patients. Et puis, j'insiste sur le fait effectivement que très, très important d'avoir des consultations en prédialyse et une éducation thérapeutique en prédialyse. Parce que malheureusement, on continue à le faire, même... Nous, on est dans des hôpitaux donc universitaires, on fait l'information au moment où vous voyez votre patient en consultation. Ce n'est pas vraiment une consultation qui est dédiée réellement pour la consultation en prédialyse où, logiquement, tu as l'infirmier de dialyse péritonéale, tu as la diététicienne, tu as le psychologue, tu as le nutritionniste, tout ça. Le jour où on pourrait avoir un programme pareil, certainement, il y aura plus de patients qui vont adhérer. Et c'est très, très important d'aller surtout vers les médecins, les néphrologues, je dirais, et même les informations auprès des infirmiers. Vous savez que des fois, vous hospitalisez un patient pour la dialyse péritonéale et le lendemain, tu as un patient qui a changé complètement d'avis parce que vous avez les fausses idées Ouais. quand le paramédical, et c'est très, très important de jouer également donc, sur ça. Et malheureusement, oui, on continue à avoir l'ADP uniquement dans les hôpitaux universitaires. Hein, donc, c'est essentiellement ça. Dans les hôpitaux donc régionaux, c'est très, très, très peu. C'est rare que tu aies un appel d'un confrère régional donc pour un patient en dialyse péritonéale. Donc, en Tunisie, c'est essentiellement un recrutement qui se fait au niveau des hospitalo-universitaires. Plus que disons donc alors que réellement et logiquement ça doit se faire partout hein, que ce soit universitaire, non universitaire, privé tout ça donc là effectivement donc il faut vraiment impliquer tout le monde
agir sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on est en train effectivement de faire donc des vidéos donc d'information sur la technique, le régime avec la technique de dialyse péritonéale. Donc, c'est très, très important, je dirais, d'informer également le grand public parce que on connaît pas trop hein, la dialyse péritonéale. C'est vraiment ceux qui aiment la dialyse péritonéale qui continuent dans notre continent, j'imagine, et les pays qui le font, qui continuent à avoir, et le recrutement est fait grâce aux gens qui aiment réellement la dialyse péritonéale. Donc, je pense que c'est ça. Enfin, Alors que ça devrait maintenant, être plus. quand tu parlais, je pensais que peut-être si on aurait un groupe des patients qui ont, comme tu viens de dire, qu'ils aiment l'ADP, Oui. et avoir comme un groupe des patients africains qui aiment l'ADP et qui représentent l'ADP et qui commencent à faire une éducation aux autres. Parfois, quand c'est le médecin qui le fait, les patients ne sont pas toujours convaincus, mais quand c'est quelqu'un qui est dans la même condition, je crois qu'on devrait commencer à les encourager à parler et à se communiquer. Tout à Peut-être fait. qu'on pourrait commencer par eux. Et bien sûr, c'est aussi les médecins, parce que, enfin, personnellement, ce que je vois en Égypte, c'est que quand un médecin n'a pas beaucoup de practice ou d'informations sur un sujet particulier, il préfère ne pas essayer, il préfère faire la chose qu'il a vue 100 Rester fois, classique. et la classique, exactement. Et je crois que l'éducation, c'est numéro un, enfin, l'éducation pour donner la confiance aux médecins et aux paramédicaux que ils peuvent le faire, ils peuvent le faire bien. Et comme Dr Bahad vient de dire aujourd'hui, c'est que le problème principal qui augmente le coût, c'est la péritonite. Et si on arrive à faire une éducation propre dans l'ADP pour enfin diminuer la péritonite, dans ce cas-là, c'est pas seulement la qualité de vie, mais c'est aussi le coût qui sera beaucoup moins et on pourra avoir un programme qui est plus fort, je crois. Enfin, j'aime beaucoup cette discussion et j'espère vraiment que ça résulte à un petit changement en la direction d'avoir l'ADP en Afrique. Tout d'abord, on aura, Inch'Allah, le congrès de l'AFRAN en Tunisie l'année prochaine. On est Oui. très excités de pouvoir venir visiter votre joli pays et bienvenue à tous les Tunisiens qui sont maintenant membres de l'AFRAN. Nous avons une très grande famille maintenant de Tunisiens en AFRAN et nous, on est très fiers. Et aussi, on est très fiers de Dr Bahedi et de son offre qu'il a faite du programme d'éducation de DP où il a offert deux néphrologues de pouvoir participer gratuitement. Ça, c'est une offre très gratuite, très généreuse. Et on espère que dans le futur, il y aura plus de membres de l'AFRAN et aussi que ce soit aussi un programme en anglais parce qu'on espère que tout le monde puisse être présent, Inch'Allah. Je ne sais pas comment vous remercier pour vos efforts, votre temps, votre aussi la qualité des présentations. Enfin, moi, personnellement, je suis très impressionnée. Et je suis sûre que ce registrement sera quelque chose, un guide pour tous les néphrologues de l'AFRAN en regardant le DP. Merci, docteur Yousra. Merci, merci Merci beaucoup. Merci, infiniment. docteur Bahedi, pour votre temps. Et Inch'Allah, on se rencontrera encore une fois dans d'autres activités de l'AFRAN. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. vous Au remercie. revoir. Merci Au infiniment. revoir. Merci à Merci, tous. au Au revoir. revoir. À très bientôt.